Re-YouTube. On valide 2-3 quêtes là avant d'avancer dans l'histoire. Niveau 25 et demi, on va avancer un peu là. Alors ça, les bleus. Les bleus, on m'a dit que c'était bien, mais ça doit être... La plume à gratter, la maison de mes rêves à la coupe. 290 XP, très bien. Il y a bien un bestiaire pour... Ouais, ouais, j'ai vu ça, c'est B, c'est... mortel aussi. Ouais, je pense, ouais. J'avais oublié tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu. Secours. À l'aide. Help. Il ne faut pas garder les mauvais items comme ça. Recommandez, on équipera forcément avec le top de ce que vous avez. Ouais, moi, mais non, mais je rigolais, hein. Je vais les vendre, hein. Je vais les vendre. Moi je prends toutes les quêtes, on verra, ça sera fait, au moins personne m'embêtera avec. Ah, tu l'as pas faite celle-là? Les mandats par contre. C'est pas bien ça. Tiens, oh, quoi? Hein? Parler au chocobo. Ah, on parle chocobo nous. Quoi. Ok. Il est content le chocobo. J'ai enlevé ses puces là. Il est heureux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? À l'échoppe. Là. Là, la caisse. Pour prendre la caisse, ça clignote. Puis tu devais pas aller manger? Fichi, je vais y aller. Garde là. Ça va être... Clique sur Uber Eats et en avant, quoi. Ou à le resto ou autre chose, dans notre système. Livre-moi ma pizza Uber et en avant. C'est quoi ça? Bah, tu te fais livrer ce que tu veux, Uber Eats. Ah oui, pardon, ensuite, vous savez pas ça. Vous savez quoi d'ailleurs? Non, non, on a le kebab. Vous avez le kebab. C'est le livre. Le pizza Bayolo, il livre même pas. Ça, non, mais ça, vous pouvez clipper, les viewers. Ça, vous pouvez clipper en Suisse. Non, on a le kebab, nous. C'est pas ouais, vrai. Le kebab, pizza. Non, mais voilà, si t'as faim là par exemple, tout de suite, t'as pas envie de te faire à manger, tout ça, qu'est-ce que tu. T'as pas un service qui peut te livrer à bouffer? Si, le kebab. Non, mais en dehors du kebab. Non. Non. D'accord. Non. Alors, cette quête bleue, elle sert à débloquer l'accès aux zones d'habitation. Ah, cool. Au secours. Cool. Ah, tu vas mourir. Non. Ni de pas mourir. What the fuck? Pourquoi y'a la tortue géante qui m'aggro? Ah, parce que j'ai tué un truc à côté d'elle, ça lui plaît pas. Je vais te défoncer, hein. Y'a niveau 2, hein. Faut pas te mêler de ce qui te regarde pas, la tortue. Uber Eats est assisté. Ils vont chercher la bouffe que vous commandez. Sérieux? Ouais, c'est ça. Vas-y, il faut que j'habite en Suisse. En France, gros, sérieux, c'est trop cool ça. Bah oui, c'est top ça. Parce que nous, dans une heure, y'a tout. Il est fermé, on peut plus rien. Mais c'est quoi ça? C'est... de merde. Bon, après, Lizzie, au pire, ça s'appelle une femme, hein, c'est tout, c'est en Suisse. pardon, Astiaril. c'était cherché. Elle est où la bouffe, enfin tout ça, ouais, quoi. Ah, mais c'est vraiment casse-couille ici. Même pour les clopes, hein, c'est pareil, c'est vraiment relou. Ah ouais, putain, mais je pensais pas, tu vois. Ah, 22h, il y a tout qui est fermé, hein. T'as pas de clopes, t'attends jusqu'au lendemain. Chet. Bah nous, en France, à minuit, moi, sur Lyon, par exemple, à minuit, minuit et demi, j'ai envie de clopes. J'en ai plus, tu sais, c'est chiant, etc. Et ben, c'est pas grave. Je vais en trouver. À 2h du mat, il y a toujours un truc d'ouvert aussi. Ouais, ouais. Bon, après, faut habiter en ville, hein, parce que si t'habites à full pampa, t'as rien à full pampa. Hein. Ouais, disons que moi je suis un peu au milieu de la pampa, quoi. Mais bon, il y a quand même 14 000 habitants, quoi. C'est considéré comme une, ville ici. Ouais, je pensais qu'il y en avait plus en Suisse. Après, dans les grosses villes. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Plus. Il
De toi, t'as pas les trucs de livraison si t'habites en campagne. C'est comme en France, hein, les trucs de Uber Eats, il va pas aller, tu sais, il va pas faire 70 bornes. Nous, il y a un minimum à commander pour qu'il fasse plusieurs kilomètres le kebab. Ah ouais? Ouais. Par exemple, 4 villages à côté qui est à 10 km, il va te demander 50 balles minimum, quoi. Ah oui. Attends, la coupe. La coupe quoi? Qu'est-ce qui me dit lui, la coupe? La coupe. Faut que j'aille là-bas pour la coupe? Oh merde. Une petite clope. Bah vas-y, je t'en prie. Mais ouais, je peux pas lancer ma... Ah, oh, c'est con, ça. Ah oui, bah, je t'ai enregistré pour un bon genre. Ah, une bleue. Quête bleue. Là, là. Quête bleue. Bonjour. Et tu fais les quêtes de ton... Merde. De ta classe? Oh, oui, oui, oui. De l'élémentaliste? Oh, oui, oui, oui. Ça doit être ça. Doit être ça. Faire, hein, parce que tu gagnes tu peux gagner des compétences. Ouais, ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ça doit être un truc dans le genre. Ouais, tu fais les choses à moitié, quoi, comme d'hab. C'est pas vraiment que je les... C'est pas ça, c'est... Ah, c'est tous les 5 niveaux, donc faudrait que j'aille chercher celle level 25, là. Jusqu'au level 20, je l'avais fait. Oui, merci Ascaril, ouais, j'avais vu ça. Tous les 5 niveaux, il y a une quête de classe job à faire pour débloquer les skills. Exactement. Joli petit moulin. Allez là. Bon, j'aimerais bien partir en donjon, s'il vous plaît, là. 8 minutes de file d'attente, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait, le mutelon? Mutelon. Mutelon. Du coup, merci pour ton follow, Astiaril, pardon. J'adore cette zip. Ah, c'est compliqué. Parler aux soldats des immortels. C'est dans quoi ça? Ok. Bah, c'était rapide. Spécifier le secteur où aller, voir les attraits, sortir de la zone de logement. Ouais. Bah là, je suis rentré dans une zone de logement, tu l'as déjà fait ça? Écoute, y a pas de problème, Ascarina. A plus tard, merci pour ton follow et à très vite, du coup. Merci pour tes conseils aussi, c'était cool. N'hésite pas à repasser, oui, ça fera plaisir. Jeu. Ouais, bon jeu à toi. T'as déjà fait le truc de logement, toi? Truc de logement? Ouais, je sais pas, moi je suis rentré dans une zone de logement, là, de ma guilde, enfin, de ma compagnie libre. Je suis pas trop... Ah, non, j'ai pas fait ça. Je ferai ça. Astiaril Im. Ok, Astiaril Im. Astiaril Im. Astiaril Im. Et t'es sur quel serveur? Ah oui, d'ailleurs, tiens, ouais. Parce que je crois pas qu'on puisse croiser les elle joue sur Louis-moi, tu vois. Tiens, voilà. Ah, ben voilà. Louis-Oua, là. Voilà. Ah, mais tiens, chè. Ah, mais je crois qu'on peut... Attends, quand on peut rechercher... Dans le monde... Ouais, mais faut comment pas on fait pour ajouter des amis là? Bah en fait, faut que tu viennes sur mon serveur pour pouvoir passer en fait pour pouvoir m'inviter, je pense. Je crois que c'est ça. Je sais pas comment on switch de serveur par contre. Enfin, j'ai pas vu encore. Peut-être dans déplacement, carte, non, y a pas. Équipe, com, en communication, peut-être. Ah, les link shell, voilà, c'est ça. Et link shell, logement, liste de contacts. Système. Je sais pas. Faut être dans le même groupe, clic droit, non, sur le nom requête d'amis. Ok, bah écoute.
verra plus tard. C'est quoi les points rouges, les marteaux, machin, c'est pas trop. C'est le mandant. Faut que je regarde aussi, il y a des... Comment ça s'appelle? En élémentaliste 21, 22, 23, là j'ai des trucs à tuer là. Je sais pas trop où c'est, les crapauds rieurs ou je sais pas quoi là. C'est là, dans le bestiaire là. Faut que je regarde, je sais pas où c'est. Mais vu que je suis 20 et quelques, ça doit être dans les 20 et quelques, dans la zone 20 et quelques. Fort possible, ouais. Ouais, je pense pas qu'il les ait mis dans les petites zones. Ah, mais c'est cool, j'ai le palefrenier là aussi. Ouais, mais vaut mieux le faire en fait. Hein. Les petites quêtes aussi, vaut mieux faire les petites quêtes en fait, ça te fait débloquer les voyages, les machins, les trucs. Faut tout faire. Ah merde, il veut les plumes aussi, tiens. Ouais, puis mine de rien, ça te fait 1000 d'XP, c'est toujours ça, tu sais. Exactement. Tout ce qui est gratuit est bon. C'est ça. On en reparlera le 26. Oh bah, alors là, ce sera encore pire. Là, je serai encore plus rapsack. Questionner les ouvriers, slash... Questionner. Il est pas content lui que je le questionne. Ok. Pas content. Tu tues un mob en donjon. Mais il y a Kiplushi. Bonjour Kiplushi, j'espère qu'il va bien. Tu tues un mob en donjon, ça fait combien? 1500 points d'XP. Ah ouais. 1500, bah comme mes quêtes là. Ça c'est fait, le skipper pour l'instant pas besoin. Par contre j'ai interrogé deux zouzous là, mais ils me disent qu'il y en a d'autres, mais... Ah mais il y en a d'autres là. Le compas de papa. Le compas de papa. Quoi? Ah, doit y en avoir. Ah non, là, réparation. Bonjour. Tout réparé. Merci. Et on va faire hop, arme. Ouvrir l'arsenal. Donc déjà tout ça, je vais le vendre. Vendre cette merde. Ah merde, putain, c'est chiant ça. Je peux pas me... Vendre, oui. Vendre, oui. Chapeau. Vendre cette daube, oui. Vendre ça, oui. Vendre ça. Ah, celui-là il peut pas être vendu. Ça vendre, oui. 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 Les mains. Oui. Et ça je peux pas. Si aussi. Ok. On va vendre un peu là. C'est un peu le merdier. L'univers est bon en tout cas, j'aime bien l'univers de Final Fantasy, est vraiment sympa. Ah, ça, je peux ouais, pas. Moi je kiffe bien aussi. Ouais, ça va, ouais, franchement. Ouais. Bah, ayant joué à tous les Final Fantasy sur PlayStation et autres. Ouais, c'est clair, ouais, 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 ouais. Allez, file. Hop, alors on va les interroger, les zouzous là. Hop là. Voilà, interroger tout le monde, il va être content. Kirikou là. Salut. Le fanal. Alors le fanal, c'est quoi là? Ah, faut que je fasse ça. Faut que je tue des trucs comme ça là. Ah,
Cool. Je vais partir manger après. Je finis juste ces quêtes là. C'est fait, on va aller faire le fanal avec l'aimant naturel qui est là-haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, l'élément de terre il est pas content. Interruption, ouais c'est bon. Allez, hop, ça c'est fait, 1 sur 3 les aimants naturels. Quoi? Ah, il te demande de le valider là, ça? D'accord. On va faire un petit sprint. Regardez, je me disais qu'il y en a une qui c'est pas mal dans notre donjon, mais en fait le mec il est niveau 45 quoi. Ah oui d'accord, il est 45 mais ça là, ok, il avait peut-être pas fait tous les donjons et tout. Non, je pense que c'est juste pour Pex en fait. Ah ouais, du coup il a mis tout donjon aléatoire et go quoi. Mm-hmm. Peu importe, même si ça le met en synchro, ouais, c'est pas grave. Synchronisé, ouais. Il doit prendre un peu, ouais. Enfin mieux qu'avec des quêtes peut-être pour... En tout cas, ils connaissent. Ah, mais ils sont de la même guilde qu'il y a. Je comprends pourquoi voilà, ils connaissent le donjon. Bah, à mon avis, oui, de toute façon, c'est un peu comme sur WoW hein, ou sur n'importe quel MMO, tu sais, du moment où tu es. Oui, oui. Tu veux faire un reroll. Allez, hop. On va où là? Qu'on va là, on va ici. Ça va vite ces quêtes là, pop pop pop. En même temps je suis en train de taper des niveaux 8, t'es. Mine de rien j'ai fait quoi, 4-5 quêtes à 5000 là. Ah ça va vite hein. Ouais c'est clair. Alors Adélard. Tiens, là l'huile, hop, il est content, il a de l'huile. Allez, salut les gens. Alors ici, il faut faire quoi? Les détrousseurs là, on va rigoler. Allez, détrousseur 1. Oula. Salut les gens. Les appâts.
Hop. Prendre ça. Ah putain, il donne encore des quêtes. On a trop de quêtes. Laissez-nous tranquille. Ils ont tous des petites lunettes à la Matrix là par contre, à la Morpheus là. Qui ça? Les PNJ. J'espère qu'il est pas trop long ton bonjour là. Oh. Je commence à bien souffrir le martyr là. Ah bon? Du dos, ouais. Ah oui. Frappe, tu te destruis. Ah. C'est un silence. Ok. Ça c'est rapide en fait. Au secours! Au secours! Ah, je crois que t'as pris l'aggro. Non, c'est juste qu'il a envoyé un méchant gros sort et puis. T'es pas sorti? Ouais. Mais je crois que je suis sorti à temps parce que je suis pas mort. Alors, les petits ordres de saisie. Hop là. Ça c'est fait comme ça, on n'en parle plus. Hop, voilà. Coupi. Coupopo. Alors, faut un aléa, c'est produit. Ah, mais les aléas dans les zones là, ils servent plus à rien. Bah, ça par contre, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop cool. Ils devraient faire des trucs pareils sur eux. Hein. Ah, ouais, mais il y en a dans beaucoup d'MMO en plus. Hein. Mm-hmm. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui. ça rassemble les gens. Hein. Quoi. En plus. Allez, cure. Allez, coupi coupopo là. Kiki pue. Allez, kiki pue. Hihihihi. Tes mecs, ils ont rien à foutre du stuff, vraiment. Ah bon? Bah, ils se barrent. Ils passent même pas. Ils passent même pas au stuff, je sais pas. Okay. Ah. Bah, là. Merci les gars, c'est sympa. Ils me laissent tous les stuff, c'est cool. Bah pareil, moi, à mon côté, tout à l'heure. Ça, c'est fait. Ensuite, direction... Direction Ulda, Faubourg, machin. Le sablier. Ah. Merde, bon, on va faire ça, alors. On va faire téléportation, Ulda, sablier. Go. En avant. T'as combien de Gilles? 40 000 je crois ou 50 000. Ouais quand même. Ouais ça monte vite. Moi je suis à 25 k là. J'ai fait quelques TP par contre. Je sais pas si... Oh moi je fais que ça hein. Ouais. Ouais c'est m'amuse pas à courir hein. Ouais, je fais que ça. Donc non. Ouais, c'est... Bon, de toute façon parce ça coûte 150 ouais. Ouais. Ouais voilà quoi. C'est clair. T'as fait plusieurs donjons, non? Bah, j'ai fait les mêmes que toi, là. Deux de plus, en fait, que toi. Ah ouais, donc ouais, c'est peut-être... Ça gagne un peu plus maintenant, aussi. Bien. Je capte pas pourquoi je peux pas utiliser des sorts, en fait. Help. Help. Merci.
T'as fait le Gold Saucer là? Ouais. Je trouvais ça marrant, moi. Tous les petits jeux et tout. Par contre, le Mahjong, je connais pas, alors j'ai essayé, mais. Non, ça j'ai pas fait, je me suis pas amusé à. Le Mahjong, je sais jouer parce que ma mère y joue tous les matins. Ah bon? Ouais, elle fait de la compétition dessus. Oh mon dieu. Allez hop. Ah, 1600 d'XP, ça c'est cool. Et donc là maintenant. Faut que j'aille que là en fait maintenant. C'est bon, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. On va faire là. Donc, ah. TP. Ok, ça fait mal. Occidental. De quoi? Le boss fait très mal. Ah bon? Ouais. En fait, il y a plein de petites flamèches qui lui arrivent sur la gueule. Et puis, s'il y en a une qui le touche, c'est 150 de dégâts dans tout le groupe. Ah, punaise. Chaque personne du groupe. Ah, tchou tchou. Le problème, c'est que fiole là, machin, il y en a 15. Donc, après, oui, elles se font one shot, mais là, tu quand t'es en mono cible, c'est compliqué quoi. Allez, Zou, ça c'est fait. Ça, c'est quoi ça? C'est les mandants et les brigadières, c'est les opérations de guild, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. Bon, pff, moi je vais pas les faire. Tu pourras bientôt rejoindre une des grandes compagnies. Hein? Tu verras. D'accord. C'est l'émission principale là. Principalement. Pour avoir ta monture. Ah oui. Là, je suis à la porte confin d'horizon, porte du couchant. Ah, c'est ils ont quitté un stand sans prendre le butin et tout. Ah, ouais, d'accord, cool. Bah, ils en ont rien à faire quoi. Bah, je ramasse tout. Oui. Bah, merci les gars. Hein. Merci les gars. Allez, salut les gars. Putain, mais elle est grande cette zone là. Avant-poste impérial, tout ça. Putain, elle est grande. Oh, les aléas, c'est bon, ça ira. Les... Après, c'est bien. Mais par contre, t'as pas envie d'en faire tout le temps, quoi. T'sais, au passage, pourquoi pas, c'est pour se marrer et tout, mais... Ah, tu l'as fait sur le passage, ouais, ouais. Tu vas pas aller chercher... tu vas pas chercher que ça, quoi, ça, c'est clair. Ah non, c'est clair. Oh là là, c'est le bordel, ici, là. 52 assassins qui se battent contre je sais pas qui, là. Ils font un duel en plein milieu de... la vallée là, on va se calmer hein. Chantre des dragons. Red Rose. Fenris Elgrimson. Alors, Palfrenier, bonjour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on a à faire dans le coin là? On a la quête bleue ici. Secret de la teinture. Très bien. Et les mirages de la mode. Oh punaise, ça a l'air bien chiant ça. Attribution des touches. Tiens, quête rouge. Raccourci. Ça veut dire quoi ça? Départ pour Karn. Level 32. Ah. Et l'autre, bienvenue au Val, level 44. Ah. Ah. Ok. Oh. Ah d'accord. Tatafu. Alors Tatafu après Kikipu. Qu'est-ce qu'il veut Tatafu? Bon, moi je fais ma pause maintenant. Vu qu'il a fini mon dojo, je suis tranquille. Pas tarder aussi. Je veux juste valider ces quêtes là, là. Histoire d'être tranquille et après. Pareil les viewers, on fera une pause. Je reviendrai après. On essaiera d'avancer un peu avec Lizzie aussi. La petite pause café là. Faudrait que j'arrive à te café. Comment ça s'appelle, à te rattraper en level. Bah en level t'es le même que moi hein. J'ai un de plus que toi. Oui oui, bon, pour en histoire je veux dire, histoire que on fasse les donjons en même temps, qu'on tague à peu près en même temps, tu sais. Ouais les donjons ouais. Comme ça après on s'invite en ami, on se met en groupe si possible, je sais pas s'il y a moyen, même inter-serveur, je sais pas. Normalement il y a moyen.
C'est bon, t'as fini ton blabla. Même pas mal de temps de chargement. Valider là. Avant de valider, on valide à qui, à lui? Non. Juste là. Ou alors dans la maison? Oh merde, ça m'a fait apparaître. On va faire l'autre là-bas. Allez, à toutes. À toutes, ouais, tout de suite. Alors, hop. Ouais, on t'apporte de l'eau dans une belle jarre, tiens, hop. Il est heureux. Alors, oula, ce bloc de... Un béret vert. Oh lolo. Oh lolo. Ouais ouais ouais. Mirage disponible. Quoi fait de mirage? Ok, d'accord. Ouais, j'irai voir ça plus tard. Hein. Planche mirage, ok. Ah, toi tu me donnes pas la suite. Ok, il faut un niveau de 15 d'artisan. Donner une bouteille de jus à un machin. Ah, faut lui acheter. Alors attends, ça doit s'acheter là. À la taverne, je suppose. Genre à lui, là. Toi, tu donnes un truc ou pas? Non. Quincailler. Quincailler, c'est lui. Objet. Pouah, il y a trop de choses. C'est ça, jus d'orange? Bouteille de jus d'orange. Lien d'objet. Juste en acheter une. Acheter une bouteille, oui. Merci. On va se mettre là, on va essayer de valider la quête comme ça. Là, il me parle comme ça dans le dos, normal quoi. Ah, par contre, 3000 pour ça avec 3 teintures. Plus le principe de teinture. Ok. Cool. Alors, ensuite, on va aller valider teinture d'équipement disponible. On verra plus tard la teinture d'équipement. Pour l'instant, j'aime bien les équipements tels qu'ils sont. Ah, mais ça se valide en bas, c'est pour ça que j'avais pas vu. Ah non, entrée du refuge des sables, ça doit être là. Je pose. Voyons. Voyons ce que c'est. Alors. Didadouin, didouin, 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 didouin. Bonjour l'héritière. Alors les gourmettes là, on sait pas si elles sont bien ou moins bien. Okay, attends, ça c'est quoi? Les poignées bracelets. Alors c'est ça. Intelligence 1, esprit 1. Force dextérité, je m'en fous. Et ça, 1, 1, écounette 1. Bah c'est mieux alors. Prendre ça du coup. On va voir. Hein. Bienvenue, je suis Minfilia, ah. La chef des héritiers de la 7e aube. Ça, je vais vous le laisser du coup. Je t'attendais.
une partie d'histoire. Détends-toi, tu es entouré d'amis ici. Je suis sûre que tu as beaucoup de questions. Mais avant que tu les poses, j'aimerais d'abord te parler de nous. Nous sommes un groupe nommé les héritiers de la 7e aube. Notre but est la protection d'Eorzea. Et nos membres viennent de tous les horizons. Les primordiaux sont notre plus grand souci actuellement. Les tribus barbares continuent malheureusement de les vénérer. Leur existence est une menace pour ce continent. Non, pour le monde entier. Notre organisation accueille des gens qui, comme toi, possèdent des talents uniques et rares. Ces dons peuvent prendre plusieurs formes, mais il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement. Dis-moi, as-tu déjà perdu conscience subitement? As-tu eu la sensation d'être aspiré dans un lieu hors de la réalité? De te retrouver dans une sorte d'illusion? Ces phénomènes sont le résultat de ton pouvoir, qui te permet de transcender le mur de l'âme pour voir le passé. On appelle cette faculté l'écho. Grâce à elle, tu peux voir les souvenirs d'un individu comme s'ils étaient les tiens, et les comprendre même si sa langue n'est pas la tienne. Cependant, tu ne peux pas modifier l'issue des événements dont tu es témoin. Il s'agit vraiment d'un pouvoir extraordinaire, et le tien est particulièrement fort. Cela dit, l'impossibilité de l'utiliser sciemment est parfois embarrassant, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose. Je possède aussi ce don. Ah oui. Tous doués de quelque chose. Retournons au sujet des primordiaux maintenant. Notre continent n'a aucune chance de connaître la paix tant qu'ils existent. Nous devons prendre des mesures qui dépassent les barrières de race, de faction, de langue ou d'idéaux. C'est pourquoi les talents comme le tien sont indispensables. Sans eux, il n'y a pas de victoire possible. J'ignore ce que tu es venu chercher en Eorzea, et quel but tu poursuivais. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que notre pouvoir nous a été donné pour une raison précise. Pourquoi les dieux nous auraient-ils confié un don aussi extraordinaire si ce n'est pour aider les Eorzeens? Je t'en prie, joins tes forces aux nôtres et aide-nous à sauver notre pays. Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Allez, tu es du primordial. Ah, voilà, elle lit plus. Nous avons certains liens avec les trois grandes compagnies, nous pouvons donc y obtenir quelques faveurs. Par exemple, tu connais les servants, etc., etc., etc. C'est dommage ça qu'ils aient pas tout doublé. Servant, faut que j'aille à la guilde des servants, etc., etc. C'est bien, on va avoir un servant aussi. Commencer à avancer dans l'histoire un peu là. C'est cool. 7200 points d'XP gagnés. Les servants sont disponibles. Alors ça, par contre, par rapport à la teinture, je veux bien regarder ce que... Le personnage que vous pouvez engager pour effectuer des tests simples, comme garder vos équipements ou vos gilets, vous vendre des objets sur les marchés, vous pouvez aussi leur confier des missions par le biais de tâches de servant. Pour que ton servant, attendez-vous à Pernel de Gridania. Ok. Ok. Infilia, je sais pas ce que ça. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis Églantine? Alors, acceptes-tu de nous aider? Oui, oui. Vraiment? Oui, merci. Oui, oui. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Mais de rien. Bon, je vais d'abord te présenter tes futurs compagnons dans notre organisation. Dis-moi, est-ce que le nom de Charlayan te dit quelque chose? C'était non. Celui d'une des six cités-états éorzéennes, situées au nord-ouest d'Aldenar.
Les Charlayana étaient des érudits. Leur maîtrise de la magie et leur connaissance de l'éther surpassaient même celle de l'Empire. Parmi eux, certains ont voué leur vie à la défense des Orzea. Ils ont formé un groupe appelé le Cénacle du Savoir. Lorsque le continent a commencé à sombrer dans le chaos, la plupart des habitants ont fui vers leur mère patrie, mais ces braves sont restés. On les a appelés les Preux. Ils se tiennent devant toi. Les Preux. Cette femme est ouf. Ida, et à côté d'elle se trouve Papa Limo. Ils sont tous deux chargés de veiller sur Gridania. Salut ! Oh putain. Enchanté. Mais je les connais déjà. J'étais certain que tu nous rejoindrais. Moi aussi. Ce beau gosse, c'est Sancred. Il est notre homme ici, à Ulda. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Cette charmante demoiselle à côté de moi est Yashtola. Limsa Lominsa a la chance d'être sous sa garde. Yashtola ? On dit Yashtola, là ? Ouais, tu vois, je savais pas. Salutations. Cet homme est Uriangé Auguré. Il s'occupe de l'organisation du quartier général ici. N'hésite pas à lui poser des questions si tu en as. Même la plus noire des nuits capitule devant l'aube. Ce sont les mots d'un vieil ami. Je suis heureux de vous rencontrer. Nous avons perdu notre guide à la bataille de Cartenau, mais nous n'avons pas dévié de notre chemin. Nous avons cherché avec Minfilia d'autres personnes possédant des talents particuliers pour former le groupe des héritiers de la 7e aube. Les Preux, ainsi que les gens comme toi et moi, ont un rôle pivot dans la protection de l'avenir des Orzea. Ah, et voici Tataru, qui s'occupe du travail administratif ici. Ravi de faire votre connaissance. J'espère qu'avec le temps, tu nous considéreras comme une seconde famille. Ouh là là, Tata. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais te confier ta première tâche. Uriangé, les documents des élèves de Baldession sont-ils arrivés ? Oui, il y a quelques jours. Les Immortels, la grande compagnie d'Ulda, ont demandé notre aide. Sancred, tu es le mieux placé pour les explications. Avec plaisir. Il y a peu, une caravane de cristaux de la compagnie Amagina et Fils a été attaquée et pillée. Ce n'est pas tout. Plusieurs personnes ont récemment disparu dans les hameaux pauvres hors de la cité. Au premier abord, ces deux événements semblent sans lien. Ces genres de crimes ne sont pas rares dans la région, et les Immortels s'en occupent généralement. Mais cette fois-ci, nous pensons que ces deux affaires ont un rapport avec un primordial. Tous les indices trouvés indiquent que les Amalja sont impliqués. C'est la tribu d'hommes bêtes qui vit dans le Tanalan. S'ils ont besoin de cristaux et de prisonniers humains, ce ne peut être que pour leur déité. Je pense que tu appréhendras mieux notre lutte contre les primordiaux si tu t'investis dans cette affaire. Je te remercie. Sancred pourra te donner des informations supplémentaires si tu en as besoin. Il est celui qui connaît le mieux Ulda. À votre service, ma belle amie. Ouais, tu vas te calmer, là. Beau gosse, ouais, bon. Pas ouf non plus, quoi. Ah, ça va faire une sacrée vidéo pour YouTube, mais... Je voulais finaliser quand même cette partie-là, avant d'aller plus loin. Je crois que j'ai finalisé cette partie. Je voulais aller jusqu'au prochain donjon, mais en fait ça va être un petit peu long, je pense, même. Donc on va faire ça, on va sortir de là. Faire la pause pour YouTube, on va faire une pause nous de notre côté aussi pour le stream. Je reprends tout à l'heure, je sais pas tout à fait vers quelle heure. D'ici une demi-heure, je pense, peut-être un petit peu plus, 22h30, quelque chose comme ça, 22h30 à peu près.
Voilà, une bonne petite pause, on va dire, de 45 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, cette zone, ça a l'air d'être un peu la clé de voûte par rapport au level, parce que il y a des quêtes level 50. Et ici, à part cette quête-là, ici, que j'ai pas faite, que je vais aller de suite chercher, bah, j'ai l'impression que j'ai tout fait, quoi. Là-haut, ça me dit pas d'y aller. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a un bateau ici. J'ai pas d'autre quête ici. Donc là, ouais, non, il me dit d'aller ailleurs hein, maintenant. Par contre, quand il se bataille avec toi, c'est tu l'entends là. À 2 mètres le truc, hein, comme si t'étais vraiment à côté. Alors. Les buzards. Ah, il y avait des buzards ici, tiens. La crique du croissant. Alors, toi, tu voulais ça plus ça. Hop, tiens. C'est pas trop tôt, c'est ce qu'elle m'a dit, sérieux là? Ou ce qu'il m'a dit? Colonie Amo. Ok. Et là, je suis obligé de les débloquer. Tiens, tant que je suis là, je vais le voir. Tiens. Est-ce que je peux faire un truc genre. Il n'y a pas de bateau là. Ah, c'est plus loin, pardon. Pour ceux que t'es celui-là, mais en fait, c'est plus loin. Là, le skipper là-bas. Est-ce qu'il faut leur parler pour débloquer? Est-ce que c'est comme les palefreniers ou ils s'en foutent? Non, en fait, ok, c'est juste pour traverser la. Juste pour traverser de là à là, quoi. Ok, je vais aller valider ça. Hop. En tout cas, il est vraiment cool ce jeu. J'ai pas eu trop l'occasion de jouer ces dernières semaines là parce que beaucoup de choses à faire en IRL, beaucoup de taf, etc. Mais franchement, enfin. J'aime bien passer du temps dessus et tout. Il est vraiment cool. Après, il y a plein de mécaniques qui sont difficiles, je pense, à haut niveau. Pour l'instant, c'est assez calme. Mais justement, c'est ça qui est bien aussi. C'est il t'embarque dans le truc comme si c'était assez facile. Et au final, ben, il doit y avoir des parties qui doivent être quand même très difficiles. Mais bon. Le servant, faut que j'aille m'en prendre un là, mais. Et que je prenne la quête aussi à mon truc de. D'élémentaliste, niveau 25, comme ça je serai tranquille jusqu'au niveau 30. Et ma grille d'Amia. Alors le servant. Servant, c'était où le servant? Agridania, c'est un peu long à charger. Autant les autres villes ça va, autant celle-ci est un peu plus longue, je trouve. Alors les servants.
Ah, c'était pas à côté là, l'auberge? Les servants, c'était pas là, auberge machin, je crois. Faudrait que j'aille voir. Alors, je suis presque 26 en plus, donc du coup, ma quête 25, ça va être bien. Ah non, ça c'est l'aubergiste, ça aussi. Gontran, Miyun. Non, c'est pas ça. Hein. C'est comment un truc de mentaliste, tout simplement, ok. Pas où il est le mec des servants, peut-être dans mon auberge. Ça, je regarderai plus tard. Et là il n'y a pas de quête, on est d'accord. Il y a les botanistes, il y a tout ce qu'on veut, là il y a la guilde de Mimes. Tanner, ouais, non, il y a tous les. Non, il n'y a rien d'autre là, bon bah écoute. Hey Sumiyan. Voilà. On a pris la quête. Donc là. Zut. Elle me dit d'aller à la forêt du sud. Cool. Cool, cool, cool. La forêt du sud, je dois avoir déjà ça. Ah non, j'ai pas ça. J'ai ça alors? Non? Comment ça se fait que je l'ai pas ça? J'ai pas fait les quêtes ici? Ah non! Forêt centrale? Si, c'est forêt du sud ça! Et forêt du sud, j'ai rien! En TP, j'ai rien à forêt du sud! Ah non! Bah, j'avais pas fait alors! Donc, bah ouais, bah. Forêt du Sud, Nouvelle-Gridania et Forêt du Sud, c'est par la forêt centrale, c'est ça, et ensuite Forêt du Sud. Ah ouais. Ah, c'est à côté du ranch alors. Eh ben ranch. Hein. Ben, go ranch. Le temps du ranch, YouTube, je te dis à très bientôt.